Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer la parole de Dieu, ou son message, dans deux versets. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. Et je fais la lecture. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Parole du Seigneur. D'emblée, le sujet. Quels sont les bienfaits, les bénédictions, les conséquences de Dieu envers nous qui croyons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Le sang, c'est la vie de toute créature. C'est l'Éternel qui parle. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Lévitique 7, verset 11. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais être davantage en mode d'enseignement. Ce verset explique, Lévitique 7, verset 11, ce verset explique la signification pour le péché. Il constitue l'expression centrale, cardinale de l'Ancien Testament concernant la signification du sang dans le système sacrificiel. Maintenant, dans le Nouveau Testament, la signification théologique principale du sang est en rapport avec la mort de Jésus-Christ. Lévitique 7, verset 11, préfigurait toujours et toujours la mort de Christ comme notre substitut, seul capable de satisfaire la justice de Dieu. Le sang et la vie sont inséparables. La vie de toute chair est son sang. Genèse 9, versets 4 à 6. Matthieu 16, verset 17. Le sang est le siège de la vie. Le sang est le siège de la vie. Il fait référence le plus souvent à la mort prise violente d'une vie. Genèse 4, verset 10, Matthieu 23, verset 30. Karat berit. Le mot alliance en hébreu est berit. Dans le langage biblique, on ne dit pas faire une alliance ou conclure une alliance, mais on dit plutôt couper une alliance. Karat berit. Une alliance dans la Bible, bien évidemment, est souvent une alliance de sang. Chaque fois que l'on faisait une alliance, le sang coulait. Il y avait toujours et toujours un sacrifice. Et alors, on sacrifiait un animal, on le coupait en deux et on le passait entre les deux parties du sacrifice. Dans Genèse 15 et le verset 18, Dieu a fait avec Abraham une karat berit, couper une alliance avec Abraham. Christ
notre Pâque. La Pâque est une alliance de sang. Christ, notre Pâque, a été crucifié. 1 Corinthiens 5, verset 7. Le sacrifice de Jésus est un sacrifice d'alliance. Le mot sang dans l'Ancien Testament est apparu 360 fois. Dans le Nouveau Testament, son équivalent dynamique est Emma, 97 fois. Emma Québec, une parenthèse. Au Québec, nous avons Emma Québec. Mais qu'est-ce qui arrive là? La laïcité, avec son esprit négateur, son aspect négateur, ne veut rien savoir. Ils ne veulent pas accepter la croix, la religion, tout ce qui est religieux, tout ce qui est sang de Christ. Même à l'Assemblée nationale, ils ne veulent rien savoir. Cependant, pardonnez-moi de l'expression barbarisme, ils sont poignés avec, ils sont pris avec, ils ne veulent pas accepter la croix, ils rejettent tout ce qui est religieux, mais ils portent quand même le nom Emma Québec. Jésus, notre héros. Un homme peut concevoir qu'un autre homme puisse mourir pour une centaines d'autres, exceptionnellement pour un millier. Il peut encore concevoir qu'un homme puisse mourir pour sa patrie, comme nous les Haïtiens, mourir pour la patrie. Là, c'est un véritable héros. Mais est-il possible qu'un homme meure pour tout le genre humain? Et non seulement pour celui de sa génération, mais aussi des autres. Tout à fait. Cela est possible. Cela s'est produit une seule fois. Cet homme était Jésus. Il était mort comme sacrifice. Il est ressuscité comme souverain sacrificateur. Il n'y a pas un autre sang qui soit appelé précieux dans la Bible que le sang de Jésus. Seul ce sang, le sang de Jésus porte, ou est appelé précieux. Des milliers de litres de sang ont été coulés depuis la création. Des milliers d'animaux ont été sacrifiés. Pourtant, leur sang n'est pas appelé précieux. Les sacrifices de l'ancienne alliance ne pouvaient que couvrir le péché et non l'ôter. Voilà pourquoi Jean le Baptiste était très excité quand il vit Jésus. Il a crié : voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Notre sang est ordinaire, mais le sang précieux de Jésus est extraordinaire. Notre sang est ordinaire, mais le sang précieux de Jésus est extraordinaire. Il y a puissance dans ce sang, car aucun autre homme qui a vécu n'a un tel sang. Le sang de Jésus est un sang sacré. Le sang de Jésus est sacré. Guy Lafleur, un joueur de hockey décédé, est un héros pour le peuple québécois. Mais Jésus est un héros mondial, planétaire. Jean 3,16 nous le dit. Les bienfaits, les conséquences,
les bénédictions du sang précieux de Jésus pour nous qui croyons en lui. Entre autres, le sang est efficace sur notre vieille vie. Nous ne sommes plus obligés de continuer à vivre dans le péché, à nager, à patauger dans le péché. 1 Pierre, 1er, versets 18 et 19. Nous avons été rachetés pour Dieu. C'est très important ça. Vous et moi, nous avons été rachetés pour Dieu. Par quel moyen ? Par le sang de Jésus. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue. Hébreux 9, 22. Nous avons le pardon par l'effusion du sang de Jésus. Son sang nous assure la rémission des péchés. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Il n'a plus conscience de nos péchés. Ésaïe 43, verset 25. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il est efficace à tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Le sang de Jésus a une valeur purificatrice comme un détergent qui enlève l'impureté. Il faut souligner que le Dieu vivant nous a purifiés pour que nous le servions, lui donner toute gloire. Hébreux 9, verset 14. Son sang, le sang de Jésus, nous a lavés, délivrés, déliés de nos péchés. Le verbe grec veut dire tous ces verbes. Laver, délivrer, délier de nos péchés. Dans la notion de délier, Dieu traite une fois pour toutes la question de ce qui nous lie au péché. L-I-L-I-E. Apocalypse 1er, verset 5. Romains 5, verset 9. Son sang nous lave de la colère à venir. Le sang de Jésus peut nous épargner de quoi ? De l'enfer. Le sang de Jésus nous procure la vie éternelle. Jean 6, verset 53 à 56. Manger son corps et boire son sang, c'est croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Dieu ou Jésus peut nous empêcher de mourir éternellement. Très important ce que je vais vous dire. L'être vivant qui perd beaucoup de son sang finit en toute fin pratique par mourir. Il n'y a point de vie sans sang. Il n'y a point de vie sans sang. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang. Pour ceux qui croiraient, très important, il faut souligner ce verbe, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. La foi joue un rôle capital. La foi joue un grand rôle pour appliquer le sang de Christ. D'où la nécessité de se confier dans ce sang. Et c'est pour la vie ou à la place de la vie que le sang fait l'expiation. Le sang de Jésus nous rapproche près de Dieu parce que nous étions éloignés.
nous étions aliénés de Dieu ou de lui à cause de nos péchés. Mais par le sang de Jésus coulé, versé sur la croix, nous sommes près de Dieu et de ses bénédictions. Son sang nous donne la victoire. Son sang, il est une arme efficace, une protection. Apocalypse 12, verset 11. Le sang de la Pâque servira de signe. Exode 12, verset 13. Dieu estime le sang de la Pâque à sa juste valeur. L'apôtre Paul nous présente Christ comme notre Pâque. 1 Corinthiens 5 et le verset 7. Comme l'or de la Pâque, le sang de l'agneau est une barrière infranchissable pour le destructeur. Donc, mes compatriotes haïtiens, mes frères haïtiens, zombie pas gain pouvoir sur nous. Nous protéger par le sang de Jésus. Mais il faut y croire. Il faut le croire. Les zombies n'ont point de pouvoir sur nous. Nous sommes protégés par le sang de notre Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes rachetés de toute iniquité, de toute transgression commise. Titre 2, verset 14. Quand la Bible dit toute, c'est la Bible. Quand la Bible dit toute, il n'y a pas d'exception. Ce sang est le sang du sacrifice de Jésus ou sur la croix. Par son sang, nous avons la réconciliation et la paix avec Dieu. Seul Jésus donne la vraie paix. Peuple de Dieu, chers internautes, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Car Jésus vous laisse la paix. Il ne vous la donne pas comme le monde donne. Jean 14, 27 et 28. Le sang de Jésus nous donne l'assurance d'un libre accès auprès du Père. À Jésus par Marie, à Jésus par Marie. Quand j'étais en Haïti, en moins deux, chaque matin, il y avait toujours un verset ou bien une pensée. Chaque matin. Mais il y avait celle-là que j'ai retenue. À Jésus par Marie. C'est faux. On peut aller directement à Jésus sans passer par Marie, sans l'intermédiaire de Marie. Nous pouvons nous présenter avec assurance dans la présence du Dieu, dans la présence de Dieu. Non pas que nous en soyons dignes, mais à cause du sang de Jésus. Quel texte? Hébreux 10, verset 19. Son sang nous sanctifie, nous met à part. Vous êtes mis à part par le sang de Christ. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Genèse 3, verset 21. En faisant des habits de peau, Dieu montre la nécessité pour couvrir la honte du péché. Il a fallu que le sang coule pour pouvoir aux besoins du genre humain. C'était la première fois que le sang coule dans la création. Habit de peau, une allusion à Christ qui a été fait justice pour vous et moi. 1 Corinthiens 1er, verset 30. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Genèse 4, verset 10. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, très important, qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12, verset 24. Et là,
Est-ce que vous êtes là? Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Christ crie grâce. Le sang d'Abel criait que justice se fasse, mais le sang de Christ crie plus fort. Justice est faite. Le sang de Jésus a été coulé afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tel est ton désir, mon cher ami, si tu peux faire, mais si tu veux faire cette prière avec moi, répétez s'il te plaît après moi. Si tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que tu peux être sauvé seulement par le sang de Jésus. La prière. Ô Dieu, je reconnais avoir péché contre toi. Je regrette mes péchés et je désire me tourner de mes péchés. Je reçois par la foi dans mon cœur Jésus comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Je vais vivre pour lui et le servir à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Au nom de Jésus, amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car La Voix du Serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Soyez bénis richement par le sang de Jésus. Soyez bénis abondamment par le sang de Jésus. Amen. Amen et Amen.